Soit on suit, soit il est témoin. Il y a écrit attente de Shinai. C'est ça, c'est ça. Il y a écrit en attente ça de me Shinai. Fatigue, parce il y a un que... point. Je pense que je vais Ah, rage quitter la game. Ou je vais forcer la game en attendant qu'il arrive. Hop là, voilà. Je suis un génie ou pas? Bon, carrément. Allons balader par là-bas. Ouais, bah ouais. Je peux forcer la game. Ouais, oui, tu peux, hein. Oh, yes. C'est bon, j'arrive. Ah bah, voilà. Tu sais qu'il faut aller dans le camp? Oh, bah là, ils viennent me l'afficher. Au secours. On a failli mourir à cause de toi. Il y a des conneries qui ont été faites, hein. Oh, à cause de moi. Qui a voulu se dépêcher? Toi. Ouais, tiens. Donc, qu'est-ce qu'on va se... Ah, on va s'enfourrer jusque-là, hein. Vitesse de déplacement dans le monde. Allez, on est en promenade, c'est parti. C'est parti, let's go. Qu'est-ce que je fais? Tac. 44 sur 49. Into. Tu vas y refourguer des pignons. Je crois qu'on en a pas mal, des champignons. Ils sont cachés où? Oh, j'ai pas un champignon. Ah, si. Idéalement, là, ce qu'il faudrait qu'on fasse... Picole. Idéalement, ce qu'on faudrait qu'on fasse... C'est qu'on trouve des... Des mines. Une mine. Pour avoir de l'orica... De l'orica... De... L'orichal. Sylvie a gagné 139... 136 points d'XP. Ouais. Et on a gagné 36 de... De couleur, ouais. De fortune et d'honneur. D'ailleurs, je vais vérifier ce cadavre. On l'a utilisé qu'une fois. Il y a Mélanine qui a des choses à nous dire. Ouais. Attends, je voudrais juste vérifier un des truc. Revendications. Est-ce que tu veux faire une sauvegarde avant qu'elle ait trop de revendications? Autre que gagner un point d'attribut. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète. Il va falloir... Il va Stevie, falloir... Stevie, il passe prochain combat ou prochaine nuit, je pense qu'il passe son niveau. Cool. Ok, vas-y. On est parti. Bah c'est à toi, vas-y, balance. Explorer ce tombeau était la meilleure idée qu'on ait jamais eue. On a gagné en cohésion, en expérience et surtout, on s'en est mis plein les poches. Pardon? Le statut? Moi je trouve ça sympa, chercheur d'or. Ouais, moi aussi. On prend ça? Bah, surtout que c'est... Ah, c'est juste un statut, c'est pas un trait, ouais. C'est juste un statut. Oh, c'est bien. Et ça c'est quoi? Et c'est un permanent? Ah non, le prochain gain de croc non, non, est augmenté. Non, tu le perds dès qu'on gagne des thunes. Bah, est-ce qu'on a pas une quête à aller rendre? Oui, oui, bah on a peut-être même plusieurs. Mais, non, une seule pour le moment. Oui, pour l'instant, mais on a peut-être d'autres gens à massacrer, non? Bah, le problème, c'est que le prochain gain d'or, ça veut dire combat compris, hein, je pense. Ah, c'est pas grave, on verra. Allez, viens. Barrons-nous. Non, là on en vient. Non. Pourquoi là? On est jamais allé ici. On est jamais allé là? Ouais. On leur casse la gueule, là, c'est con. Bon, ils ont l'air d'être d'accord. Ils ont l'air d'être... Ils ont l'air... Ils ont l'air de se compliquer le mot? C'est compliqué, ce mot. Ce mot, il est compliqué, hein, tu vois. Ils ont quoi? Serment des lâches et technique déshonorante après avoir subi deux attaques et gagne fureur. Ok. Est-ce qu'on mettrait pas tout le monde sur la droite et au milieu? Ou gauche et milieu? C'est à peu près pareil en fait. J'aurais. Alors je sais pas si t'es dans le même sens que moi donc je peux pas te dire. Mais je pars du principe que Sophia c'est la droite. Et j'aurais ramené tout le monde à c'est gauche. Ça. Ok, tout le monde à gauche. Pour ignorer les archers. On va les laisser dans leur merde, dans leur caca. Taurus au centre. Et il est où l'autre gros con là? Il sert de capitaine là. Il est où l'autre capitaine de débile de merde? Là, mon mur il est là. Il est là, parfait. Il y a un Zinlen. J'ai une Mavig. Je veux déplacer Mavig. Je peux la mettre dans un coin où elle servira jamais à rien. Est-ce que tu veux ramener Denal au milieu puisqu'il y a Taurus ou pas? C'est toi qui vois, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu peux m'envoyer... Voilà, nickel. Et ouais, idéalement il faudrait engager celui-là pour que qu'un des coupeliers l'ait dans le dos.
Oh, pas de soucis, pas de soucis. Ça part, ça part. Hein. Ça part tout de suite. Parfait, ce sera donc Mélanine qui ira le péter. D'ailleurs, bon, je vais enlever sa garde. J'ai décalage comme ça. Pour okay. laisser un peu de place aux potes. Enfoncer sa garde. Je tomberai pas sa garde avec un coup de base, donc. Si, si. Je pense que je tombe la garde en un coup. Oh ouais. Oui, ta déstabilisation fait tomber sa garde. Oui, ma déstabilisation, mais l'idée c'était de. C'était de lui là... briser avec un coup simple, comme ça après, quand je lui mets la déstabilisation, je lui mets un crit s'il a plus de garde. Je sais ça, mais oui, mais. Et le truc, c'est que tomber 44% de garde d'un coup, je suis pas certain, tu vois. Gif, une trou de bouclier. Il reste qu'à ce point d'armure enlevée. Bon, ben. Est-ce qu'on lui fait la version courte ou la version longue? Bah, tu fais ce que tu veux, mais. Je crois qu'il n'a pas kiffé. T'as gagné un quoi? De quoi? T'as gagné quoi? Un de moral. Un de moral. Ah, tu nous as fait gagner un de moral? Ouais, c'est elle qui met les points de moral. Qui bah, tu peux aller tabasser le truand là? En plus, tu serais à contact avec mon mur. Toujours une bonne chose de se faire des amis. Ouais, je peux pas faire plus. Ah. Ouais, bah j'ai déjà. Moi, je peux peut-être faire des choses en plus là. Qu'est-ce bah, y a un Totorus. C'est exactement ça. Ou alors, comme c'est le malfaiteur ici qui joue. Attends, il va jusqu'où ce con? Bah, il touche personne. Vas-y, ignore-le. Goulûment. Il est où le gars? Je sais pas. Là en bas. Ah, il est là. Ouais. Bonjour. Il touche vous personne. Vous avez vraiment aucun ami, monsieur. Hein, c'est. C'est il a terrible, aucun ami et aucune personne à qui toucher. Allez, oui, on l'ignore. C'est moche. Sinon, joue, je peux t'arranger toi. En attendant, aller placer quelqu'un au contact. Hein. Ouais, vas-y. Comme ça, je lui applique la fragilité. Ah, je suis engagé, ça coûte rien. Boum, il est mid-life pour le prochain qui lui tape dessus. C'est cadeau, quoi. Ouais. Pff, comment il est ridicule, ce mec. Comment t'es hyper ridicule même. Recule connard. T'écoute. Chien infidèle. Et tu m'expliques comment on bute celui qui va jouer là? Putain. Bah je t'expliquerai bien mais Ah merde, je peux pas foncer à travers des rochers. Ah non. Alors attends. Ah oui, parce qu'il a plus de la moitié de sa vie, ce con. Mm-hmm. Ah non, je suis débile. Bah voilà, je prends un coup dans mon bouclier. J'ai pris une rayure sur le shield. Désolé. Alors, j'ai merdé. C'est le braconnier là-bas qui joue. J'ai échoué. Bien joué un non, je déconne. Je voudrais bien jouer un Zinlen. Ouh, pour mettre une zone sur tout ça. On a du point, est-ce que je peux me permettre d'en utiliser s'il te plaît? Oui, oui, vas-y. Y a pas de lancier à côté. On va faire ça comme ça, j'ai pas besoin de bouger pour le moment. Ça, allez, un petit critique, merci. Deuxième coup. Parfait, merci. Ça, joli. Déjà, c'est fait. Merci. C'est remboursé. C'est remboursé, je vais venir me... C'est pas une bonne idée. Ah non, pas une bonne idée de venir se coller là. Plutôt de coller à... Ouais, ouais, au plein milieu. Plein milieu. En vrai, je couvre tout le monde comme ça. Ok, why not. Ça couvre tout. Oh ouais, why not us. Et pourquoi pas un petit Taurus qui mettrait la brutalité à tout le monde? Parce qu'il y a encore des gens qui sont très loin. Et oui. Ouais, c'est vrai. Après, toujours claquer un point... C'est pas perdu, on peut toujours aller s'amuser. Bonjour. Ah oui. Bonjour. Vous savez que j'aime l'humour en fait. Par contre, ce qui serait bien, c'est que lui il se rapproche, mais je vais pas pouvoir le rapprocher. Bouge, mais dans la zone. Vous voyez, j'en ai des pas mal, hein. Et il coule mon humour ou pas? Ah ouais, mais il a rigolé un peu vert. Enfin, elle, pardon. J'avais pas vu que c'était une femme. Comme ça, l'autre il me vient bien dessus.
Je peux pas vous dire plus, hein. Ah. Mauvais. Ah ouais. Massacre. En vrai, il va vraiment falloir qu'on monte ce, finish ce truc. Him. Il faut vraiment qu'on monte le frisson de la chasse de Dinlen. Hein. Et là, il fera. Le hachiste là-bas, est-ce que j'en ai quelque chose à carrer? Non, je crois pas. Hein. Par contre, ce qui m'intéresserait bien, c'est de faire une connerie avec le gros là. Je prends le gros là comme ça, je fais. Vas-y, vas-y. Coucou. Les coucouilles. Ah putain. Ça tabasse? Ouais, ça tabasse assez. Est-ce que ça tabasse? Comme quoi, vraiment, le point, c'était vraiment de la merde. Officiel. Carrément. Et regardez à quel point je suis méga utile. Ouais. Nos amis les ours. Nos amis les ours m'ont appris cette arcane secrète. C'est ça. Wow. Il s'en est pas pris une deuxième? Ah oui, parce que c'est une attaque d'opport. C'est pas une attaque de base. Du coup, il m'a rayé la carrosserie, le con. Ouais, galvanisation. Il est mort tout seul dans son caca. Ouais. Voilà. J'ai un autre à ajouter. Ah, attaque d'opportunité. Ah bah non, c'est un pote, ça va. Ah, ça, par contre, ça veut dire que tu peux avancer jusqu'à Totorus et l'éclater, hein, avec le bonus de l'amitié, tout ça, la totale. T'as rayé la carrosserie de mon pote, enculé! Tu as mangé les pissenlits par la racine? Et les racines, elles sont vachement amères. Waouh! Et lui, tu vois, en deux attaques. En deux je suis en train de me dire, ça y est, la game est finie. Encore deux coups. Mec, oui. Il a gagné 20% d'attaque. Zinlen a tiré 4 fois. Il aurait, non pas 20%, mais 40% d'attaque supplémentaire. Bah t'as 4 stacks sur toi, hein, sur Zinlen. Non, il... 4, Zinlen, 4 il... oui, mais parce qu'il a tapé 4 fois. Oui. Ah oui, je comprends. Bah tu peux, si jamais tu peux commencer à réavancer Denal dans l'autre sens. Parce que les deux méchants sont oui, de l'autre côté, du coup. Avec une course, mais ça... Non, mais juste tu te replaces le plus proche possible de... Bah, non, t'avais tout claqué. J'avais tout claqué. Ok. Bah il est temps de jouer du couteau là, hein, parce qu'il reste plus grand chose à faire, ou de jouer de l'arc, enfin faire des trucs, quoi. Ouais, ouais. Tu vas t'en sortir, t'as qu'un point. Hein. Je sais, je vais pas en utiliser. Hein. Voilà. Oh non, on va aller le bolosser après, t'inquiète. Oh bah ouais, descends jusqu'à lui déjà. Hein. Ça gênera personne comme ça. Ah bah tu peux déjà commencer à l'allumer. Ouais, gaspille pas non plus de cartouches, hein, ça sert à rien. J'allais juste le rapprocher de vous, en fait. Rapproche-le, hein, vas-y, hein, n'hésite pas. Bonjour. Allez, je sais que je mets rien, mais bonjour. Je voulais juste mettre un critique. Dommage, je l'ai pas fait. Bon, alors je vais te l'engager avec un gros. Vas-y. Voilà, je vais présenter son dos à tout le monde. Ouais, vas-y. Tant qu'à faire. Voilà ce que j'en ai à foutre de ta garde, connard. Mange tes gifles. Remange des gifles. La vache. Le mec il s'est pris 4 attaques dans la gueule. Finis-le. Finish him. 231. Voilà. Seulement. Seulement. Oh, le pauvre s'est fait massacrer, quoi. Et ben ça fait plaisir pour une fois quand on voit Zinlen utiliser des critiques. C'est quand même cool. Ouais, la vache. Je prends la hache. Hein. L'armure de niveau 8. Je crois que c'est la même que j'ai, mais je vérifie. 8% de dégâts critiques, 26-123. 26-123, tu peux la prendre à désosser. Hop, le pognon est pris. Tout est réparé. Oh, Rafistoleur chevronné 3. Oui. Je sais pas ce que ça change, mais ça change des choses. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu voulais installer un camp? Ouais, je voulais voir un truc, s'il te plaît. Vas-y. Je voulais voir ce que ça avait donné... Et donc le statut de Mélanie est parti. Oui bah oui, bah, c'est pas grave. C'était rigolo drôle. Ouais ouais. C'est pas un drame. Au moins on aura démantelé. Des ossets. 7. Oh, 7 de fer, 1 de cuir, 2 de bois et 2 matériaux de réparation.
Ce sont des fossiles de lanciers en givracier. Pour répondre à ma question. Attends, viens voir. Ah oui, il y avait un campement, oui, t'as raison. Bon. Si, vas-y. Bah, c'est bon, c'est fait. Ah, il y avait rien. Il y avait 5 de fer. Oh, on adore. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de trouver le campement de la Légion. Bon, ceci est une ferme, on peut toujours découvrir une ferme du roseau. Le campement de la Légion, il est par là, je crois. Oui. On va parler aux gens, on leur dit qu'il y a un peu de chanvre, des bûches de bois, des choses quoi. Hop, ouais, du chanvre. Ouais, ils ont pas de bûches, oh, les petits batalus. Ah, par contre, ils ont une clé grossière. Une trappe. Faudra utiliser une clé grossière que je ne semble pas être en ma possession. If I want to pack it full of plague-ridden wretches, that is my business. Damn it! They're my neighbors, my friends! You think they weren't here for me during the war? You think I am going to stand idly by while my wife is killing them? If you really want to make my selfish wife happy, give me some food so they don't go mad. Or timber, so we can reinforce the cellar door. Mais alors, en fait, ma question c'est. J'ai envie de faire une sauvegarde. En fait, j'ai envie de savoir. De quoi ? Je sais ce que ça fait de leur donner du bois. D'accord, et. Mais de la viande séchée. Je crois que ça. Tout revient à peu près au même si tu les tues pas toi-même. Ouais, mais d'accord, mais la question c'est est-ce que tu peux choisir de les soigner ou est-ce que c'est foutu ? Ça je sais pas par contre. Bah ça, oui, c'est pas. Parce que si on leur donne de la viande séchée, est-ce qu'il y a moyen de les soigner ou pas ? Bah peut-être on peut tenter si tu veux. Bah attends, déjà moi j'aimerais partir et taper une sauvegarde parce que si c'est pour rien, autant leur casser le cul, gagner de l'XP, on n'en parle plus quoi. Ouais, c'est ça. On va parler à sa bonne dame. Ouais. Ouais, bah oui, ok. Thinking that these monsters have escaped from the cellar. Okay. Bon. If you really want to make my la viande séchée. Happy. Give me some fish. This should bring back some semblance of peace in my marriage. Fourche de paysan. C'est de la merde. Everything is fine now. Ah ouais, d'accord. Donc non, oui, c'est nul. C'est le problème d'avoir des quêtes. Attends. Tu vas voir, il va se passer quelque chose. Tu peux parler à la madame ? Non, faut qu'on parte. D'accord. Viens, suis-moi, on va s'éloigner par la route. Ok, mais il y avait une couscous. Oui, mais t'inquiète, on va revenir très vite. Ok. Les braves gens là. Famille Pavi ! Ils ont peut-être du chanvre qui traîne dehors. Et ils ont du bois. Et ils ont une cave ! Ils sont venus dans cette cave, nous ? Non. Visiblement oui. j'ai fait un halt pour voir s'il y avait quelque chose. Ah, ouais. Voilà, on avait besoin d'un peu de bois, voilà. Voilà, ça régale. Il y a un bel écho ici. Vous noterez. Il y a un bel écho. 8 de bois. C'est en un même temps. Ouais, en plus ça fait mysticisme, explorateur et ramasseur. Les mecs nous disent félicitations, vous êtes doué en poubelle. Attends, je te rends du stuff là. Voici du bois, d'ailleurs, voici une fourche pourrie. Ah, on a entendu des hurlements provenir de la ferme du roseau. Oh merde, excuse-moi, je me suis planté de bouton. Tiens. Allons-y. On a des remèdes contre la peste ? Oui, j'en ai un. Ok. Ah, bah les grosses ambiances, hein. We are so hungry. On peut que les combattre ? Ouais. Oh, c'était nul à chier comme idée. C'est bien ce que je me disais, il fallait juste les buter en fait. Voilà, donc si tu veux recharger la game, vas-y. Hein. Oui, bah le problème c'est que là je peux pas le faire. C'est ça qui est chiant. Bah, c'est bien, t'auras montré à YouTube, cool, super, ouais, ça va faire un chargement, on n'a pas le choix. Mais bon. Mais oui, tu vois, c'est dommage qu'on n'ait pas la possibilité, comme les autres dans le marais, en fait, de leur remettre des remèdes avant qu'ils tournent complètement marron. Parce qu'en fait, pareil, ceux-là n'ont pas complètement tourné. Si, là, eux, ils ont complètement tourné. C'est pas des infectés, c'est des pestiférés. Ok, d'accord.
Donc, si tu veux lancer, recharger la dernière sauvegarde. Ouais. C'est parti. Ça charge. Oui, comme ça, on dépose 20 d'affluence, on les tue. Alors, par contre, c'est vrai que ça fait pas gagner. Objectivement, il vaut mieux faire cette fin-là où t'as pas dépensé d'influence. Ouais. T'as pas dépensé de matière première. Et tu vas gagner XP parce que tu leur casses le cul. Avec un peu de pognon en plus. Et du tissu, ouais, trop, probablement. Vous avez vu comment il écrit en attente de Shinai, hein? Moi, ça vous dégoûte, parce que moi, ça me dégoûte. Ah, et si tu... Ce serait bien que tu fasses les montages de couper le temps de chargement. Imagine, tu fais ça. Waouh. Déjà que je fais aucun montage d'aucune sorte. Je sais. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Combattre les pistiférailles. Et donc, pareil, si tu renforces la cave, ils enfoncent tes trucs ou pas? Pareil, ouais. Oh. Bah, je t'attends pour le coup. Wow. Tu vois, pour le coup, ça, moi, ça me dégoûte parce que c'est le fameux truc qu'expliquait. Comment il s'appelle Merde, le Master Daria Fibre Tigre. Que tant pis si tu fais des faux choix, les gens ils aiment bien pousser des boutons pour pousser des boutons. Bah non, moi non en fait. Moi faire des sauvegardes pour faire des faux choix multiples, ça m'intéresse pas en fait, pour le coup. Mm-hmm. C'est où je tombe pas en accord. On peut plus ou moins tous se mettre à droite. Ouais, à gauche, bah hop, on peut tous se mettre d'ailleurs, on peut tous s'y mettre. Alors par contre, je suis rangé à la zone, hein. J'ai pas réfléchi. Ouais, bah. Peut mettre lui pareil, plutôt par là. Edenal il est bien placé. Zinlan est mal placé comme d'habitude, non? Ah non! Il est derrière mon mur. Ok. Mais il y a Mavic qui est un peu mal placé, qui est en arrière. Ouais, mais en même temps, Mavic elle sert à rien. Vaut mieux faire taper des lieutenants. C'est vrai. Vaut mieux faire taper des lanciers. Et l'autre gros il est au milieu, ouais, ok. Alors. Si je bouge pas avec le chef, on fait quand même un petit paquet de gens. J'ai bien envie de faire. Après, ici, tu te fais plaise, hein. Bah, il y a vers le haut que je me fais plaise, mais je suis en train de me dire vers le bas aussi, parce que j'ai pas moyen d'en faire 5. Bah, je sais pas, tu fais clic droit sur motivation des troupes. Ah oui, et après, et je regarde en me déplaçant. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, effectivement, tu as raison. Par contre, j'ai pas de course, c'est-à-dire que si je fais ça, je peux pas combattre. Pas grave, regarde. Est-ce qu'il vaut mieux que je reste. Est-ce qu'il vaut mieux pas que je reste sur place, que je fasse 4 points et que je puisse aller tabasser un zombard? Si, vas-y, fais ça. Parce que... Après, je vais sûrement jouer Zinlan. En plus, il peut pas m'atteindre, donc ça me paraît. Attends. Ils sont que 4 à jouer en fait, on se prend la tête pour rien. Vas-y, oui, fais ton juste truc. Pour gagner vraiment nos points. Hein. Oui, Zinlan, je suis déjà pote, lieutenant, oui, on s'en fout. The Bard. Le vieux pote. Ça va, mon vieux pote, tranquille. Bien, t'as fumé. Bah monsieur, vous n'avez pas d'armure, vous n'avez pas de garde. Bah du coup, tu mets un coup critique, garde. C'est pas moi qui ai eu mal. Merci de me donner un petit peu de rage. Oui, parce qu'on ne peut pas m'empoisonner, je rappelle. Je sais, applique je deux poisons, avant appliquez-moi autant de poisons que vous voulez. Donnez-moi du plaisir de violence. J'ai pas besoin de violence, ça vous rappelle quelque chose? Je reste dans le poison, oui. Ça me rappelle étrangement quelque chose. Bah tu peux... Oui, ah oui, d'ailleurs, te caler au coller au capitaine, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais sinon, si jamais tu pouvais, ça serait un régal. Hein. Hop là. Paf, le mec du fond. T'auras pas de deuxième tir. Dégoûté ou pas? Dégoûté un peu. Par contre, tu peux zoner. Ouais, je me décale juste pour pas trop gêner, mais... Gêne quand même. Ouais. Tu gênes quand même, bah vu qu'il y a rien à branler, je vais tabasser ce connard là. Voilà. On revient ici. C'est dommage, hein. Lui et aussi il a le courroux. Hein. C'est ça. Oui, mais comme là, ça je claque pas un et vu que je peux taper deux connards deux fois. Non, qu'est-ce que tu fais là? Moi j'ai besoin de booster des gars. Et puis t'es mignon avec tes conneries, mais moi je peux faire des trollades. Et comme ça on a fini la game. C'est vrai. Oh non, il a dépensé un point. Oh là là là. Laissez-moi faire des trollades quand même. Machine gun.
Non, non, on n'a pas fini. Allez, allez, allez. La trollade. La trollade. Ouais. Non, mais en vrai, cette compétence, tu dis qu'elle est nulle, mais non, je suis pas d'accord. Mais c'est grâce à la trollade qu'elle est devenue incroyable. Avoue que la trollade, elle assure. Je suis sûr qu'il va falloir que je te fasse une masse de ces conneries. J'accepte. Oh, la pucole. Allez, vas-y, fais péter, ma grosse. T'es pas trop dégoûté, là? Oh, mes voisins ne veulent pas manger. C'est dommage. Oh. Ramasseur, explorateur, on revalide. Voilà. Il va peut-être... Alors, ça va être étonnant que je te dise ça, hein, mais il va peut-être falloir qu'on se refasse du Crimson Chaos pour le monter niveau 7. Ah. Tu veux chercher la merde? Ouais, il va falloir commencer à chercher la merde. Mais on peut faire simplement des contrats d'assassinat. Ça nous rapporte 3 par contrat d'assassinat. On peut tout simplement faire même la quête du Chaos, la quête de libérer la fille. Tiens, ramasse tes ouais. Couscous, là. Ouais, j'arrive. Couscous de merde. Oh, j'ai trouvé une empreinte. Ceci est une empreinte de monstre. Mais tout ceci ne nous regarde pas. Si, on a un truc. On a un cadavre... pas loin. Qu'on peut suivre, d'ailleurs. Viens voir. On suit. Il y a la traque. Viens voir. Non, non, il faut que tu viennes vers moi. Il va où? Il y a la traque à faire. Il est pas loin. Mais donc, faut suivre la trace de sang. Ouais, faut pas cut au milieu de nulle part. Parce qu'on connaît déjà le jeu. Ah bah merde, j'ai plus de souffle. Je cut pas. Tu cut comme un gros sac. Bah en fait, celle-là, j'ai jamais pu la faire. Comment ça? Parce qu'il faut suivre une trace de sang. Bah et alors? Ah, tu me dis où elle est, s'il te plaît. Bah elle était là où on était. Vas-y, là, y en a je te suis. Ah bon? Oui, si tu le dis. Franchement, si tu le dis. D'accord. Bah c'est par là, mais de toute façon je crois qu'on l'a déjà fait, on l'a déjà pété, parce que je crois que c'est dans la forêt qu'il y allait la bête. Je me souviens pas l'avoir fait. Alors eux je trouve ça ouf, quand tu veux leur parler aux paysans pour voir « Oh je peux vous vendre des trucs, des machins, des slips ou des chaussettes », tu peux que les tuer. Ouais, tu choisis. Ouais. Et voilà, et là il faut faire une pause syndicale. Ah. Il est grand temps de se nourrir. Attends, j'ai du bois. J'ai pas de bois. Alors par contre j'ai du champ. T'as pris tout le bois mec? Non j'en ai 5. Bah remets tout le bois. Ah oui non. on n'est pas allé récupérer le bois dans la ferme. Il va falloir hein, parce que là c'est le drame. C'est le drame. Voilà comme ça on a un de bonheur négocié. Hop on remet notre vitesse de déplacement dans le monde bien sûr, très important. On claque tous les rebats. On de la fondue, de la sardine. On se fait péter du pignon. Deux pignons. Allez, un cidre pour fêter ça. Et on verse verser la thune, tu l'as déjà fait. Se reposer. 30% d'agression. Ça me va. Déception. 136 points d'XP pour Stevie. Stevie, en dommage. La connaissance du monde a augmenté. Le camp a généré 2 points. Oh, il vient de se passer quelque chose de grandiose. Stevie change d'arme. Je te mets donc son arme à Stevie. Prochain. Et Stevie. Tata, il y a 50% de la garde, je m'en fous. Elle est où la vraie huile qu'on veut là? La huile d'affilage, voilà. Et bah vas-y, une huile de force. Boum. Et boum. Deux. Quoi, repos. Deux. Repos. Quoi? Deux. Repos. Quoi restants. Deux repos restants. Deux repos restants. Avant d'avoir l'arme. Préparation, non engagé, gagne fureur. Exploitation 1 pour chaque bonus appliqué sur cette unité. Non, mais on s'en fout en fait, hein, c'est ça. C'était le truc, on prend le premier, oui, c'est ça. On propose juste du critique pour passer à 30% de critique, c'est accepté. C'est accepté, c'est acceptable. C'est trop accepté, c'est trop acceptable. Y'a pas de problème. Je pense très sincèrement que je. Avant les deux repos, j'ai pas compris. Fais un clic droit sur le lutrin et tu comprendras. Ah oui, non mais ok, d'accord. Ok, je fais pas de clic droit dessus, ça n'intéresse personne. Nous étions donc en train de traquer une ville créature quand tout à coup nous allons devoir nous taper des cauchemars. Voilà, nous sommes là où il y a la trace de sang. Alors j'essaye de la suivre en tournant manège et en tournant ménage. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah, on est allés ici. Nous avons déjà vu ce coffre. Mais nous avons peu de chambres à récupérer. Voilà, bisous.
Ok. Tu vois encore la trace de sang? Ouais. Ouais, ouais. Voilà, on a fait le tour, c'était bien, hein. T'as kiffé ou pas? Moi, j'ai adoré. Ouais, c'est vrai. Pourquoi la carte n'est pas révélée ici? Si, elle est en révélée. Haut, parce okay, qu'on est pas allé. Une espèce de brume. Ah non, c'est une espèce de brume. Une brume de RP. Non, mais voilà, on lui a déjà cassé le cul, je crois. C'est un ours qui est là, ou je sais pas quoi. Ah, ok. On fout, ça n'a aucun intérêt. Tiens, t'as une petite fleurette là, récup. Hop là, voilà. J'adore, t'as une petite fleurette. On l'a pas exploré là. On s'en fout, c'est un château de merde. Je veux trouver le campement de la Légion. Depuis le début là, au secours. Ah, la famille Pavi là, y'a pas du chanvre à leur piquer. Non, y'a du bois à leur piquer. Ce qui est encore mieux. Ce qui est encore mieux. Du bois et de l'XP en même temps, c'est vraiment un double cadeau. Parce que la dernière fois que je me suis amusé à me balader sur toute cette carte, je me suis fait douiller la quête de la Légion en fait. Ah. Parce que je leur ai déjà cassé le cul et résultat des courses, les mecs, bah ils voulaient rien me donner. Je me suis fait douillade. J'aurais pu gagner du fric que j'ai jamais gagné. Je te range tes popos, tes machins. Trop pressé de se barrer ce mec. Hop, hop, hop. On va récupérer la lance du déserteur. Hein? La quoi? La lance des déserteurs, je peux la récupérer? C'est ce que je t'ai dit en fait. Je t'ai dit que tu pouvais la récupérer, la désosser. Il vient de passer son niveau, cool. Jean-Michel Nulos là. Ce qui fait que d'ailleurs, il va falloir intervertir tout de suite au campement les personnages, puisque. Hop. Allons au camp. Il faut mettre Mavic dessus maintenant. T'es sûr que c'est elle qui a le plus de retard? Bah c'est la seule qui est niveau 7. Ah non, elle est tirailleuse, elle est à 2696. Ouais, c'est 2800. Si tu veux mettre tirailleuse, moi ça me dérange pas, je te mets hop. Comme ça on bénéficie des bonus du bard, tu peux mettre tirailleuse dans... Est-ce que tu veux bien mettre Mavig en plus s'il te plaît? Ouais, on peut se mettre tous les deux dessus. Ouais. Vas-y, on le poutre. On le poutre en lâche. Ok. Je suis en archer. Je tape au corps à corps. Et est-ce que Stevie en... Tape avec ton lutte. Je te vois taper avec le lutte. Ah moi je me vois même pas actif. Ah je peux pas. Hein. Il faudrait que je sois trop bien. Hein. Stevie en... Donc Stevie en... Il va dans la tente. Hein. Par contre t'es sûr de détacher Mavic de ça? Bah oui. Il faut qu'on monte en niveau. On n'a pas le temps. Hein. Quoi qu'on fasse un de volonté à chaque compagnon. Et alors je m'en fous. Bah, faut qu'elle monte de niveau, je veux pas le savoir. Pas de soucis. Et en fait, je voulais mettre Stevie, mais on n'a pas le choix, il faut mettre obligatoirement un barde. Bah, donc, oui. Pas le choix. Vous avez vu YouTube en bas, il y a écrit en attente de Shinai. Ouais, j'étais en train de désosser tes lances. Ma lance? Ouais, oui, ton ancienne lance. Ah, mon ancienne lance de merde, tu veux dire. Eh, mais attends. Je viens de penser à un truc là. Est-ce que ça se rappellerait pas en attente de Knarfang là? Ouais, non, mais attends, il y a des choses techniques. Oh, t'es malhonnête, hein. Vu le temps qu'on m'attend, vu le nom qu'on t'attend. Attends, je ferai pas le malin. Non, il fallait juste que je rééquipe Taurus avec des objets sérieux. Voilà. Ah! Tu veux pas que je te refasse des petites bombinettes? Non, et la bombinette Shira. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est d'aller par ici, là où t'esquives les cochons. Hop, hop, hop. Vous voulez pas aller au camp? Il est là, le camp. Oui, mais là, ta trace de sang, c'est pas la même en fait, Coco. Mais j'en sais rien, moi. C'est ce que je te dis, celle-là, c'est pas la même. Donc tu m'as envoyé me balader vers l'autre. Et la bête que tu cherches, je crois qu'elle est à la suite de ce machin. Bah, donc alors on va la suis, suivre. Hein. Hop, 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 hop. Moi, honnêtement, hop, je la vois pas, ta trace de sang. Hein. Oui, bon, toi, tu vois rien. Ouais. Aucun effort. Ça t'intéresse pas. Quoi, ces trucs? Oh, des gens de l'œil. Quoi, ces types? Des gens de l'œil. Bonjour. Yo. There you are. Ah, il nous attendait. Oui, visiblement. What? You thought we didn't know you were coming. That we just inadvertently forgot our map in that chest. I can't believe such a crude trick actually worked. The scholars clearly expected too much of you.
Therefore, I have no qualms about terminating your contract with them. Your bodies will remind the scholars to stay. Ah, c'est une quête des universitaires. Alors, niveau 8. Le mec est en train de me dire les érudits vous présentent plus intelligents que vous ne l'êtes. Et là, c'est le moment où tu montres os de barde. Alors maintenant, qui est-ce qui a l'air con? Toi ou os de barde? C'est lui ou c'est toi qui a vraiment l'air con d'être là? Alors, ça fait que 6 mois qu'on est sur les routes, mais on peut quand même vous casser les dents très facilement. Ils ont des trucs. Tu vois un peu ce qu'ils ont? Oui, je te laisse regarder avec grande passion. Je sais que ça te passionne énormément. Oh, ils ont une épée. Quand ils tapent plusieurs personnes à la fois, elle met le feu. Ça les passionnait énormément. Mais oui, ils ont le feu pourri divin, là. Ouais, ouais, ils aiment bien mettre le feu aux gens, ouais. Oui, bon, ça, on le savait déjà, en même temps. Oui, c'est vrai. Passion pour les flammes. Ils sont... Oh, on peut peut-être mettre tout le monde à gauche. C'est une bonne idée. Je déplace juste Mavic qui est là-haut. Alors, on va placer... T'as pu déplacer tout le monde ou pas? Ouais, logiquement. Attends. Ok, j'ai bien mis Totorus au centre. Ouais, Zinan, c'est bon. Est donc il trop loin. Je vais placer Torus par ici. Où est Torus? Torus là. Hop. Mélanine là. Tac, tac, non, tac. Non, t'as tac, placé tac. Tirailleuse. Edena, elle est dans le fond. Merde. Quelle médiocrité. Voilà, on est bon normalement. Ouais, c'est bon. Pour ma part, c'est alors, bon. Le prochain à jouer chez eux, très loin. Oh, j'ai oublié de lui mettre. Merde, dommage. Ouais, t'as oublié de quoi? T'as oublié de quoi? Qu'est-ce que t'as oublié? De mettre des couteaux sur Sophia. Chais. De toute façon, t'aurais gaspillé des couteaux contre des nullos de niveau 8. Ce qui est donc une très bonne chose. Oui. Je vais aller me caquer celle-là. Vas-y, parce qu'elle a pas de. Je vous ai mis la brutality. Tu fais tellement mal. Moi perso, j'ai pas senti grand chose. Par contre, elle a pris beaucoup de dégâts hein, là. Ouais. Avec ma hache, toujours tout pourri, hein. On est d'accord, c'est bon. Ah ouais. Toujours niveau 5, hein, la hache. Ouais, non, mais ils sont nombreux. En plus, je crois que c'est même pas une hache 2 étoiles. Enfin, c'est une hache 2 étoiles. Qui joue c'est H2. Encore dans le fond. Je peux prendre un groupe pour aller tabasser des gens. Oui, genre par là. Va t'amuser, va t'amuser. Chic. Des Romains. Pire encore, des connards. Des inquisiteurs. Des religieux. Oh, un petit peu... Des cultistes. Mais moi aussi, je suis inquisiteur, regardez. Béni soit le marteau. En forme de croix. Normalement, vous devriez adorer vous faire tamponner comme ça. Je suis pas sûr. Ah, mais je peux pas le tabasser, du coup, je suis pas collé à lui. Ah, oh, dommage. Dommage. Je peux... Mais non, je peux plus. Je suis au max de... Je suis au max de tout ce que je peux faire. En vrai, il va falloir le rebuild de lui, hein, si tu le laisses comme ça. Pourquoi? Tu te souviens la perk que je t'ai dit? Chaque fois que tu pètes une armure, il gagne brutalité permanente et inspiration permanente. Doublé, le déplacement doublé permanent. Ce serait intéressant sur un os de barde comme ça. Oui, tout à fait, hein. Je ne dis pas le contraire. Ouais. Tu souhaites faire quelque chose, placer des gens, dire des oui, trucs? Oui, je voudrais placer un Zinlen, s'il te plaît. Ah, oh, vraiment, tu veux toujours placer le même merdique? Non, je suis contre, moi. Parce que tu as posé une zone? Ouais. Ouais, bah, je suis contre. Voilà. Vas-y. Non, mais parce que tu vas nous bouffer des points que j'ai pas envie que tu touches, contre des boss de niveau 8. Donc, soit t'as quelque chose d'intéressant à faire contre le fanatique, soit t'es inintéressant. Oh. Inintéressant. Vas-y, va jouer. Comment ça, t'es... je vais jouer quelque chose d'extrêmement pertinent. On sent que son armure a daté un peu ou pas? Un peu, ouais. Quel est le prochain à jouer? Il est loin. Est-ce que tu veux que je joue du coup le capitaine? Vas-y, joue le capitaine pour générer 3 points. Si tu veux jouer Zinlen. À un moment donné, ça même une Sophia. Même une Sophia. Je peux rien faire, d'ailleurs. Je peux me placer nulle part. Tu peux pas l'engager lui? Non, je ne peux pas. Je suis trop loin, à un move près. Je ne peux rien faire. Donc, question, est-ce que tu veux que j'aille me coller par là pour mettre ta zone?
Ouais. Tu veux venir te mettre derrière moi. S'il te plaît. Tac, 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 tac. Voilà. Oh, t'aurais pas pu rester là ? De ouf. Voilà. Je suis placed. Maintenant, tu peux aller placer ton Zinlin. Qui mange tant de points et tant de points. Alors, est-ce que tu vises plutôt à sa droite ou tout droit ? Je pense que je vais viser par là. Bah, je serais toi, je ferais pas ça. Je m'explique. Vas-y. Les gars, ils sont tous en train de venir de loin et ils atteindront jamais ta zone, ils l'atteindront qu'au tour prochain. Mmh, donc alors que, voilà, l'inquisiteur Pierceros et le Zélote n'ont pas encore joué. C'est vraiment de la merde. Et que je peux venir te pousser le purgateur si tu veux, mais bon, du coup, il sera mort. Mais bon, techniquement, avec des lieutenants, je peux venir pousser des gens. Surtout que maintenant, ils ont tous les deux enfin une lance qui pousse de nouveau. Hop, et ça, voilà, ça fait ça. Plaisir. Est-il point ? Ouais. Mais regarde, les autres, ils sont à 10 km, t'aurais jamais touché personne. Quelle déception. Est-ce que tu veux que je joue une Sophia ? Pour tuer ce gars-là ? Tuer ce gars-là, là ? Ouais, bah ouais, vas-y, écoute. Hein. Tout celui-là. Donc, dépensons un point. Coup de couteau à l'autre. Avec la fureur, bien sûr, ça nous passe drôle. Et un 659 gratos. Sans utiliser deux points. Et je vais aller me mettre derrière Zinlen. Comme ça, ça ne gêne personne. Tu devrais plutôt te mettre devant le... Ah oui, non, t'as peur de te prendre Pierceros dans la tronche. Ouais. Un peu, ouais. Ouais. Bon, non, ouais. J'ai toujours des armures niveau 6. Je comprends. Oui, mais t'as des super armes, donc ça va. Ça ouais, c'est... Oui, parce que les couteaux... Bah, ça peut être intéressant de déplacer des gens qui peuvent pousser Pierceros, par exemple, pour commencer à lui pourrir la gueule. Bah, regarde, je vais déplacer une tirailleuse. Hein. En deux points, ouais. Elle peut te pousser deux fois. Oh, enfin, ouais. En un point, elle peut le pousser deux fois. Alors, une fois... Pas sûr que deux fois, ça serve. Non. Ah si, il est peut-être encore dans la zone là. Mais j'ai plus dans ma zone, moi. J'ai plus la portée. Oh, bah, tu peux dépenser un point et un point. On a deux points là. Lui c'est le méchant quand même, hein. Faut le tabasser. Hein. Même ça, ouais. Bon, eh ben là il était pas. Bon mais il était pas en zone, il était pas voilà. Edenal sur Taurus. Edenal. Taurus est trop loin. Oh. Il peut aller que là. Eh ben il peut déjà aller là, c'est déjà bien. Ouais mais... À côté de qui tu veux, oui, tout à fait. Enfin que tu puisses pousser le Zélote quoi, parce que le Zélote c'est le prochain à jouer. Ou okay, tirer pas quelque chose. J'ai 84% de chance de toucher Taurus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah je vais dépenser un point et je vais le pousser. Hein. Ça va te dépenser deux points. Hein. Tu veux dire tu vas courir? Ah oui, je peux courir, c'est vrai. Tu dépenses qu'un point. Une attaque de base pour voir un peu les dégâts. Et bah, va falloir dépenser un deuxième point. Enfin, va falloir de... Bah, pour le... Est-ce que t'as besoin de le pousser? Est-ce que il va pas finir par arriver si je me mets là? Attends, si je clique lui, là... Ah, il peut éventuellement esquiver la zone de Zinlen. Je sais pas s'il va l'esquiver. Bah, on verra. Moi, je paye pour voir. Vas-y. Il l'a esquivé en te visant, toi. Oh, le petit bâtard, lui. Ah, il joue comme des PJ, les mecs. Eh ben. Amateur de bouclier. Bon. Par contre, qu'est-ce qu'il m'a molesté? Il m'en a mis combien des coups de marteau, là? C'est quoi l'histoire, là? Tant qu'il te met pas en état de fièvre, il continue. Ah ouais, jusqu'à appliquer fièvre? Ouais. C'est pas trop mal son truc de merde. Hop. Touche pas mes potes, hein. Mouillère. Fils de pute, hein. Puile de force qui proc. Ah, je sais plus. Désolé, il va falloir que j'utilise une course, hein.
pour me retirer d'ici. Je donne un point de force. Après, je joue un autre lieutenant. Un lieutenant à lancier, hein, parce que c'est pas des lieutenants. Pas forcément tous des lieutenants, mais ce sont tous des lanciers. Venir ici. Pousser ce fils de pute. Une bonne fois pour toutes. Voilà. Et tu l'as, vous l'avez fait tomber, lieutenant Louis. Me placer ici. Soigner cet être humain de qualité. Supérieur. Je pourrais même dépenser un point pour donner d'un ordre extrêmement rentable, mais il a un malus speed move de combien? Oui, c'est bon, il bouge pas. Et hop, et me placer devant Totorus. Dis bonjour. Dis au revoir. Voilà. 224. Et tu peux déplacer Mélanine. Mélanine, pour éviter de gêner plus ou moins, on va la placer là. Elle se sortira de cette merde avec une course. La course n'étant pas réduite. Bah si on a les points. Bah on a deux points. Pour l'instant. Glorieux. On a un point supplémentaire. Est-ce que tu veux que je joue un Zimlen pour replacer une zone? Alors on a deux actions, moi je te proposerais d'aller molester... je peux pas, faudrait que je cours pour aller molester tous ces connards. Faut que tu cours pour sortir de la boue déjà. Qu'est-ce qu'on en pense? Je cours, j'arrive jusque là, je me déplace et avec un peu de chance je peux molester trois mecs en ligne. Vas-y. Hey, merci pour le follow Ned. Nen? Nen de ah jardin? Ah non, c'est pas... Merde, pardon, non, c'est Yoga Tiger. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Laissez-moi vous presser à coups de marteau la bonne parole. Alors on dit prêcher, on dit prêcher. Bon bah vas-y, fais. Ils impriment la bonne parole dans les côtes. Ouais, bah maintenant il va falloir les achever. Ok, ça fait 1. Ça ne compte quand même que pour 1. Je te laisse le plus facile ou... Ouais, ouais, laisse-le moi. Ah non, attends, non, tu fais plus de dégâts que moi. Tu buteras l'autre. Tu veux... Tu peux reculer un peu? Oh, complètement, regarde. Coucou. Parfait. Je t'arrange bien, là. Hein. Ah, t'as toute la place de... Régale-toi, place-toi, mon cochon. Ah oui, non, on n'a pas de points. Non, on n'a pas de points, on n'a pas de points. Trop tard, j'ai joué. Ah, on n'a pas de points, t'as l'air con. Félicitations. Ouais, vas-y, dépense deux points, hein, crevard. Vas-y, dépense des points, vas-y, crevard. Putain, cours. Il va pas courir, je vais le défoncer. Bah non, je vais juste dépenser deux points. Hein. Vraiment, quel crevard. Même Zimlen, ce niveau de crevardie, il suffisait de jouer Top Connard qui allait donner des points, là. Putain, tu dégoûtes tout le monde. Joue tes deux crevards qui vont générer un point. Pourquoi je jouerais mes crevards qui vont générer un point? Tu vas jouer Denal, tu vas gaspiller tes points, tu vas bouger ta poufiasse au fond qui sert à rien, et puis voilà. Joue tes trous du cul qui servent à que dalle. Non, je déconne. Je vais jouer un capitaine quand même. Je t'arrange. Je t'arrange jusqu'au bout. Hein. Et on va te tanker. Voilà. Et je te génère aucun point, t'en as pas besoin. Oh, tu me dégoûtes. Regarde comment il souffre à cause de toi. Mais par contre, je t'ai généré un point quand même. Hein. Ouais, j'ai vu ça. Moi avec mes bolos. Non, non. Tu rêves? Tu rêves? Oh, tu vas faire quoi là? Tu rêves? Ah bah bravo. Ouais, un critique s'il te plaît. Mais putain, tu nous fous tous dans la merde. Regarde, on meurt là. On te génère des points et on meurt. 318, tu pouvais faire un point. Mais oui, quand t'es sûr de le tuer, tu fais des crits, c'est moche. Et c'est même pas moi qui contrôle la RNG, bordel de merde. L'impression un peu que si, quand même. Hein. Tu vas pas me soigner des gens. Pas soigner des gens. Si. Non. Non, on a besoin de ces points, là. Tu casses les... Oh, il m'emmerde, je peux pas aller foutre une zone. Attends, vas-y. Ah, oh, putain. Je vais le tuer. Oui, je vais le tuer, pas de soucis. Oh, il est claque, mais tu claques tout en plus. Hein. Je suis dégoûtant.
Hop. Non, on veut que tu te fasses molester. Fais-toi molester. Pour oser nous avoir défié. Vas-y, là, tu peux bouger, tu peux bouger. Bah voilà. Voilà ce qui va t'arriver, tu vas mourir. Parce que tu mérites que ça. Ah oui, je peux pas courir à travers la caillasse, putain, ça m'emmerde. Et ouais, non, tu peux pas y aller avec ta Sophia nulle. Si, je peux y aller. Bah non, tu peux pas. Trop nul. Et moi, tout ce que je fais, c'est soigner mon pote. Et toi, tu vas chier. Et si je veux protéger ta petite gueule, je suis obligé de claquer des bons et précieux points pour te sauver la niche. Voilà. Moche, oui, c'est moche, t'as utilisé des points pour rien. Bah ouais, comme Zinlan. Ça aurait quoi les points de Zinlan, non? Bah, si t'avais pas ramené tout le crew là... Mais ta connasse, ta mélanine. J'ai cramé des points, mais est-ce que c'est pas elle un peu qui sert vraiment à rien, en fait, dans l'histoire? Ah putain, il est en train de tout cramer jusqu'au bout. T'es médiocre, tu déçois YouTube énormément. Zinlan a encore beaucoup déçu. Soyons ouais. Témoins. Les gens sont témoins. Yes. Les tissus ici. On est où là? Non, la justice, on s'en carre. Il y a un truc, je crois, ici. T'en es où? Le sang. Ah oui, le sang va pas plus loin. Attends, pourquoi il me manque un truc ici? Ok, non, ça va pas être tout de suite. Bon, allons voir ce camp de la Légion en longeant, bien sûr, la flotte. C'est la seule chose qui nous intéresse, évidemment. Hmm. Ah, il va falloir poser et se reposer. Ouais, ouais. Sophia... Sur 3, ok. Hop, on va mettre des couteaux. Est-ce que... Alors, on a gratté un Shieldas. Est-ce qu'il est mieux? Il est capable de mettre le feu, celui-là. Coup flamboyant. Oh, oui, mais il est moins bien que ce que porte le capitaine, puis les coups, celui du capitaine. C'est vrai. Coup flamboyant remplace protection. Ah, un bouclier qui met dégâts. Ouais, moi, je mets ça sur Taurus. Ah, ça fait des boucliers de l'humour. De dégâts, ouais. J'aime bien des boucliers de l'humour. Je te mets, du coup, l'ancien bouclier à désossé. Ok, merci. Voilà. Toujours pas monté de niveau? Non, on a toujours pas. On en a pour 1000 ans. Super, c'est génial, c'est incroyable. Hop, manger des repas de nourriture. Ah, durée de course. Voilà. Des poissons. Rends-moi ces poissons. De la sardine. On va mettre de la carpe grillée plutôt. Ça change rien! Si, c'est que j'ai bientôt fini le stack de carpes grillées sur moi. Ah, ça réduit la taille de l'inventaire. Ce qui du coup nous intéresse énormément. Je sais que t'aimais 10 ans, mais nous ça nous intéresse. Un inventaire que nous on a de plus ou moins tranquille en vrai, de mon côté. Pourquoi j'ai un bout de bois sur moi alors que je visualise pas dans mon inventaire? T'as pas de bout de bois sur moi? Sur toi, c'est moi qui l'ai mis. Non, en fait, regarde. Ah, tu peux en mettre un deuxième? Je peux même en mettre un deuxième. Ou alors c'est que t'en as deux sur toi. Non, j'en ai bien un sur moi. Ok. D'accord, mais je peux en mettre deux, visiblement. Un sur moi et le tien qui est sur toi. Ok, ok. Ok. Donc ça, c'est fait. Je mets un deuxième champignon. Et ça. Voilà, pas d'alcool. J'ai dégagé le cadavre au dernier repos, en fait. Bah il pouvait encore faire un repos. Non. Il était à 3 sur 3. Bah non, on est à 2 sur 3 là, hein, sur le pieu. Ah. Ok. My bad alors. Non, il y a pas dernier repos. Dernier repos. Dernier repos. Prochain repos, on a le... On a le... L'arme... Légendaire.
doré. Ça a l'air d'être une plante, ça. Ouais, ça a l'air d'être une plante, mais pas ramassable. Si, si c'est bon. Il faut être collé, par contre. Ouais, c'est ça. C'est bon, t'as ton truc. Camp de la Légion. Je. Ouh. Eh bah. Alors. On peut récupérer un peu de chanvre au fond. Mm-hmm. Et là, ils ont des poneys. Il y a des coffres, il y a des trucs, il y a pas grand chose. Bah, il y a lui y a là. Pas grand chose. Le sergent Marianne. Marianne Crime. Mariarim. Ouais, bah, c'est son nom, hein, Mariarim. Hein. Ils ont recompté des Doran, ok. Il y a Arthès de plus en plus de déserteurs qui se rassemblent en groupe, cela pourrait devenir un problème pour tout le royaume. Tout à fait. Même si nous ne sommes pas censés attaquer les déserteurs tant qu'ils ne bougent pas sur ces terres, rien ne nous empêche d'embaucher des mercenaires pour les éliminer. Cela vous intéresse? Sure. Tuez au moins deux groupes. Ok. Bon. Ah. Voilà, maintenant, les gens qu'on tuera, on les tuera pas pour rien. D'accord. Voilà. Tout l'intérêt était là. Ah tiens, tiens. Y a des gens là? Y a des gens? Oui, mais on n'est pas payé pour eux. Ah, on est... I never believed in this chosen by Jeru. Les élus de Jeru. Then Arlis is just power hungry like his mother. Ah. Nous, on s'en fout, hein. Au revoir, monsieur. Plus, l'air, c'est l'autre enculé. Ouais, ouais, c'est ça. On s'en fout, l'autre enculé. Tu veux qu'on aille se bastonner sur ces gens-là, du coup, qu'on bute les des Laert? Je te proposerais bien d'aller... De continuer vers le sud. On va aller se faire un groupe de déserteurs. Ok. Tu veux qu'on passe récupérer de la caquette aussi? De la caquette. Ouais, à l'auberge. Ouais, on pourrait... Pourquoi le pont, il est détruit? On l'a pété. Rappelle-toi, okay. on a tout pété. Ah! Oui, il y a une marchande. Votre consommation est cruciale pour les caravanes de marchands. Si nous ne pouvons emprunter qu'un seul itinéraire, les brigands sauront où nous attendre. Nous avons de quoi payer des ouvriers, mais les matériaux nous font défaut. Oh, il faut trouver du grès. Tenaille de forge, ça a l'air fou ça par contre. Ça a l'air intéressant. Tout du moins, je sais pas, ça a l'air fou, mais ça a l'air bon des trucs. Il faut qu'on aille acheter du grès là, moi je veux pas en entendre parler là, il faut trouver une mine. On va en ville, je suis sûr il y en a en ville. J'en ai déjà, on en a déjà 5. Ouais, plus que 5. Rush, pourquoi je peux pas courir? Est-ce que ce monde est sérieux? C'est bon, je cours. Bonjour la garde, bonjour la maréchaussée. Gendarmerie nationale. C'est au corps qu'il y a. Là, on peut cliquer dessus là. Hop. Voilà, courir. Courir comme des demeurés. Pour ça, le petit marché. Vite. Le petit marché. Est-ce que tu vends du gré? Non. 14 degrés. Oui, 14. Nous en manquerait un. Déjà c'est pris. Ensuite je te les remets en mid. Remonte, voilà, tes couscous là. Ouais, je récupère ça. Je lui reprends des 1. Hein, un peu de marchand. Oh, on a plus de pognon. Non, on a plus de pognon. On a un peu trucs. De pognon. En vrai, je vais vendre pas sortir les 450 billets. Attends, je vais vendre la vipère. On en a pas besoin, je vais pas la réutiliser, je sais comment je vais me build quand je vais non, mais sinon je peux vendre les fossiles de lancer en gibracier, hein. Tu voulais pas les tester? Bah oui, mais finalement je joue au bouclier actuellement parce que j'ai un bouclier qui peut cramer les gens. J'ai un coup de bouclier qui peut tabasser des gens avec Taurus pour l'instant, et j'ai gagné maître des boucliers, enfin tu sais. Ouais. Donc je peux lui vendre et les fossiles et les haches, hein. Attends, je peux vendre aussi des trucs si tu veux. Ouais, dis-moi. Hein. Moi. Voilà. J'ai vendu ça. Attends, j'ai peut-être encore pas mal de ressources qui ne me servent pas. Après, je peux peut-être vendre des gueuletons aussi. On a un peu de nourriture. Genre, tu vas faire ça? Ouais, moi je préférerais éviter, mais vraiment, si on est sur les dents. Parce que bon, les jeunes, bah déjà, ça vend du pognon, quoi. Eh, tu sais quoi? Attends, bouge pas.
Je sais où trouver de l'argent. Eh bah, à la taverne. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est là que tu pensais, toi. Ah non, c'est ça que tu pensais, tu me déçois énormément. Bah, consultez après. Qu'est-ce qu'elle nous... Ouais. Difficile. Oh, ouais, 675 pour le négocier. Qu'est-ce qu'on en pense? Vas-y. Allez, hein. Je regarde même pas, je mets tout à fond, je veux pas le savoir. Je... Ah putain, c'est encore fait niquer la fin, hein. Ouais, vas-y, on te le prend, l'autre crétin. Repère de brigand bien gardé. Ouais, vas-y, fais péter la couille. Acceptez l'offre. 485, il y a vraiment peu de différence. Hein. Les soldats de l'armée du Seigneur Lord se sont mis en tête de vaincre le fantôme d'Arag. Raisonnez ces idiots. Ah voilà, eux ils sont sur le chemin, ça c'est parfait. Hop, mm-hmm. On les prend. Vas-y. Voilà. Ah, c'est refusé, bon bah voilà. 80% c'est refusé quand même. Hein. La troupe de FLE les oublie de manière radicale. Les déserteurs désirent que leurs anciens camarades de la troupe de FLE les oublient. Et bonjour à vous. Un garde un peu trop bien, les routes sont pourtant essentielles aux activités des brigands. Tant que cela cesse. Assassiner la troupe de FLE on... Ah ben non, on peut pas, on n'a pas le flot des prix. Ah voilà. On est des cacas. Je... Attends, ouais. J'ai un autre endroit où gagner des sous. Bon, c'est exactement là où je voulais aller. Allons souquer les Artimus. Vas-y, souk. Fais péter la zik. C'était minable. Je sais pas pourquoi sur la musique il y a toujours un petit freeze. Ça m'a tout décalé, du coup j'ai fait genre 3 clics à côté. C'est un enfer. En plus du coup je suis obligé de multi-cliquer avec ma souris pourrie. C'est un scandale. Bon, ce sera correct je crois quand même, mais semble conquis. Waouh. Ils sont pas très regardants, hein. Barrons-nous. Arrête de regarder les gens, on en a rien à foutre. Casse les couilles, hey. On te voit, hein. C'est chiant, c'est relou, YouTube a dit non. Voilà, c'est YouTube qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. Je suis dans, hein. Ouais, ouais. Bande extrême gauche. Hein. Oh, un gré. Oui. Tu l'as acheté, c'est bon. C'est acheté. Et ben voilà, t'en as un. Tu veux les outs? J'en ah mais ai non, 20. Non, non. Nous, ce qu'on veut, c'est. moi j'en ai plein, mais c'est pas la question, ce que ça nous servirait plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est de remettre la main sur des gemmes, voyons. Oui. Oh, don't believe a word she Bam. Says. She probably came Et... across a band of deserters. Peut-être falloir se vider. They've been running rampant in these parts since the beginning of the war. 335, on les a même pas. C'est un scandale. Je peux peut-être vendre 2-3 trucs qui valent de l'argent. J'ai 60 persils de marais, je les utilise pas en masse. Un remède. Ah oui, oui, si t'as beaucoup de persils, vas-y. Hein. Fais péter. Hein. Parce que pour le coup, voilà. Je crois que tu t'en sers vraiment pas. J'ai fait descendre le stock de moitié. J'ai vendu du charbon. J'ai fait descendre le stock de moitié. D'accord. Boum, c'est bon, on peut lui prendre. Bon, à la limite, les épices, on peut lui laisser, c'est ce qui coûtait le moins cher. Ouais. Et on est en surpoids, mais c'est pas grave, on va aller faire un tour à la forge, en fait. On a oublié, mais on peut aller à la forge, même si on n'a pas de... On n'a pas de bonbons métal et que techniquement, on va rien pouvoir forger de ouf. Ouais, je sais pas ce que tu vas faire, en vrai. Je suis en train de... Ah oui, bah déjà en vrai, rien, tant que j'ai rien non, sur moi. Non, 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 ne fais pas de forge, maintenant. Je voudrais voir ce que ça fait la tenaille en forge. Bah, si tu veux, on peut aller les voir, hein. Mais on est un peu lourd. C'est pas grave ça, regarde. Il faut mieux d'aller voir la ville d'à côté, mais bon. Attends. Attends, il y a moyen. Fabrique des trucs. Ouais, je voudrais fabriquer des trucs. Ils vendent des iris des neiges. Ouais. Ça va être intéressant. L'huile de perforage, ça, de l'huile de perforage. Alors attends. Tac. Je nous ai ruiné, hein, je sais. Je nous ai ruinés. Mais, conjonction de coordination qui marque une opposition. Tada! Est-ce que j'ai récupéré une fiole gratos? Oui, j'ai récupéré 2 fioles gratos. Excellent ça. Ouais, l'herbier, c'est trop fort. En fait, j'ai réussi à faire des potions, mais sans fioles. Man and beast are not that different.
Il y a encore des fioles et des iris. Hein. Je sais que des iris, t'es pas large. Hein. Si tu veux les prendre, hein, ça coûte 5 balles l'iris. Ouais. Régale-toi, hein. C'est pas ce qui va nous rendre pauvres. Hein. Est-ce que je refais encore quelques potions? Oui, vas-y. Hein. Cool et cool du stock, j'en sais rien. J'ai pas vision sur ce que t'as, donc oui. N'hésite pas, vite craft. Si tu veux utiliser de la graisse, utilise de la graisse. Fais des trucs, quoi. Faisons du fric avec notre artisanat, à un moment donné, j'ai envie de te dire. Ouais. On a deux huiles de perforage, pareil, si jamais on veut en vendre une, hein, parce que... en vrai... Ouais, vas-y, vends-en une. Ça ignore même pas... Merde, ça m'a pris les deux. Hop, une ici, voilà, une là. Voilà. On a vendu. J'aurais même tout vendu tellement ça sert à rien, mais... Après, peut-être que ça... Non, mais ça doit servir de base pour la suite. Ouais, je pense. Pour améliorer la suite, ok. Mais si tu veux, on peut... L'huile de protection, on peut la virer. T'inquiète. L'huile vaporeuse aussi. L'huile animale. Non, il n'y a pas de souci. On est pas mal. Par contre, si on veut s'alléger aussi, on peut vendre peut-être la moitié du fer. Parce que on va retourner vendre, on aura... attends, pensez pas à ça en deux. C'est CTRL-CLIC, MASH-CLIC. C'est plus. Alors, CTRL-CLIC, c'est vrai qu'on a beaucoup de fer. C'est vrai qu'on a beaucoup de fer. Bah oui, on en a pas mal. Mais genre, je sais plus comment on divise le fer, hein, donc... Après, moi, j'ai rien qui pèse une tonne. Non, ouais, on n'a pas non plus des poids monstrueux. Hein. Le problème, c'est qu'on a 25 marchandises sur nous. Hein. Ah ouais, faut les vendre, là. Eh ben oui, c'est ça le truc. Bloom. Bloom. Voilà. Ça nous a pas mal allégé. Il faudrait qu'on reperde... Ah, mais je sais aussi ce qui pèse une tonne. Bah, 20 gris. Quel cadavre? Ah ouais. Mais on a plus de cadavres, tu l'as viré. Non, mais pas les cadavres, les carcasses. Ah, les carcasses. Ah, oui. Oh, on a récupéré masse carcasses. Hein. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Je suis en train de réfléchir à des trucs qui pèsent un peu qu'on pourrait vendre. Les champignons, ça pèse 0,5. Écoute, à la limite, je vais ajuster avec du champignon. Hein. Ouais. Voilà, on est officiellement léger. On a vendu 8 champignons pour le case. On ne ramasse rien sur la route. Ça, c'est pas garanti, mec. Bah, déjà, on va aller se débarrasser des 20 degrés. Bien. Mais attends, on peut pas y aller par ce côté-là. Ah oui, non, faut peut-être y aller par l'autre côté. Par raison. Ouais, non. Par logique, je voudrais pas me faire avouer. Oui. Puis bon, on risquerait de croiser des plantes sur le chemin. Ça se transformerait tout de suite en drame. Et en vrai, on a fait des cons pour rien. On allait faire un repos dans pas longtemps. Bah, c'est ça. Hein. Franchement, on allait pouvoir tout cramer. Je suis à plat, je te préviens. Voilà, c'est bon, je peux courir. Hop. Voilà, on a acheté 8 champignons par-dessus bord pour rien. Mais bon, ça fera toujours un peu de pognon, comme qui dirait l'autre. On fait quand même pas mal de pognon, hein. Durée de la course augmentée de 10%. On va se remettre ça dans le buffet. On va écouler la dernière carpe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a qu'on peut écouler assez vite? Du poulet. Allez, hein, quelqu'un veut du poulet, c'est parti. Deux champignons, de mémoire, voilà. Et bah tiens, une viandasse. On ne boit plus d'alcool, c'est fini. Ouh. T'as pas mis de bois ce coup-ci? Si. Ah. Des loups de niveau 9. Ah, on va pouvoir faire des saucisses de loups, Eh, ça faisait longtemps, hein. Incroyable. Putain. Ah, oh, dans les champs, mais quel style. On a une map de champs, quoi. C'est trop stylé. Tout le monde peut aller à droite ou on les garde en tenaille comme ça? Alors, pour moi, c'est la gauche, mais ok. La gauche, pardon. Non, c'est moi qui comprends. Non, c'est l'autre droite, donc c'est ça, ok. Oui, l'autre droite, je suis d'accord. Hop là, je vais ramener à mon beau mur. À mon beau mur, est-ce que tu veux bien bouger ton zoukai de cul? Hop. Ah, d'accord, c'est ma souris qui est en train de crever. Tout va bien. Tout va bien. Donc lui, il est placé. On a un os de barbe par ici. Un Stevie en... Allez, Stevie, faut bouger, mon grand. C'est bien. Pourquoi moi, je vois des slots de vide? T'as bougé des gens? Oui, j'ai bougé des gens. D'accord, ok. Totorus, il est là. Totorus, il est à côté des Dénaves. Oui, il est devant. Ok, il est tout devant.
On va mettre tout devant l'os de bardiste. Et navigation par là. Est-ce que dans un premier temps, ce loup. Ce loup ne nous atteint pas. Très bien. Donc, prenons du point. Prenons du point et j'ai même envie de dire, je crois que je peux... Alors, je vais même vérifier, comme tu m'as appris avec la technique du clic droit. Ouais, place là. Et alors là, c'est la régalade. Kick tirailleuse. On n'est pas pote avec tirailleuse. Non mais, quoi. Voilà. Ça ne servait à rien, mais ça me fait grand plaisir. T'en as généré 3. Exactement. Je t'avances vais pouvoir... pas trop. T'avances pas trop, sinon tu vas te faire toucher par l'alpha qui arrive. C'est pas faux. Si je veux pas me faire toucher par l'alpha qui arrive, il faut que j'aille tabasser. Alors attends, je vérifie bien. Ce loup-là, mais de face, est-ce que c'est faisable? Ça va pas être faisable. Voilà. Là, ouais, sinon, oui, effectivement, je peux complètement aller tabasser celui-là. Allez, c'est parti. Il prend... Ça part. Comment se compliquer la vie? Petite tape dans le museau. J'ai plus de mouvement. Voilà. Tu as retrouvé du mouvement. C'est vrai. C'est vrai que j'ai retrouvé du mouvement, j'aurais pu l'achever pour aller... Putain, je suis vraiment... Je sais plus le jouer, hein, le pauvre garçon. Hein. Et d'ailleurs, j'ai été très bête parce que j'aurais pu effectivement me déplacer pour aller... Pour revenir, pour que Taurus te donne le truc. Là, il y a deux personnes qui jouent. Un Taurus into un os de barde. Un Taurus into un os de barde. 30% de dégâts. Ah, dans cet endroit-là, tu penses? Bah, 30% de dégâts sur un os de barde, ça peut être sympa. C'est vrai. Quelle est mon amitié avec os de barde? Je crois qu'elle est pas florissante. Oh, on aime bien l'été du florissement. Ah, par contre, tabasser des gens, vous le serez, monsieur. Ça, au bouclier flamboyant, ça mange un point. Oui, ça, bah, je m'en doutais. Ça, je m'en doutais un peu. Hein. Ah oui, par contre, j'étais très con, mais bon, après, c'est pas grave. Hein. Ouais. L'habitude d'être très con. On peut achever ce truc-là. On peut s'enquiller celui-là, là. Oui, sale bail pour lui, hein. Sale bail. Et un os de barde. Qui va devoir courir à travers les ennemis. On va toucher les trois. Je pourrais aller achever celui-là, mais je vais pas le faire parce que le prochain à jouer, c'est celui-ci. Donc, je vais aller le prendre dans le flanc. Into une patatasse. Into le final. Ouais, c'est ça. Fin de discussion. Le prochain à jouer, c'est lui. T'as Sophia qui est juste en face, visiblement. Mobilette. Ouais, mobilette. Ça me ferait utiliser un point. Il en reste encore un à tuer là. Ouais, que je vais aller tuer en dépensant un point et en le régénérant tout de suite. Voilà. Et je vais me caler à côté des copains. Oh, il a mis avec le sauvage. Ouais. Est-ce que je peux faire une petite flèche de base avec mes archers? C'est pas le moment de jouer Mélanine un peu, qui joue jamais? Si tu veux, vas-y. Est-ce que tu peux le tuer avec Mélanine? Oui, un coup. Voilà. Ça va, parce qu'après on a deux personnes qui peuvent jouer avant que les loups jouent, donc ça nous a... avant qu'il y ait le prochain loup joue. En plus elle donne des points de morale. Elle est très bien cette petite. Ouais. Elle donne des points de morale. Maintenant tu peux jouer de l'archer, tu peux même aller poser une zone si tu veux. Pour deux, ouais, si tu veux. En plus, t'as ton capitaine qui est juste là, ton capitaine préféré, c'est ce tirailleuse. Merde. C'est tirailleuse que tu joues. Le gars sait même pas ce qu'il joue, c'est... C'est grave. C'est l'effet Zinlen, hein. Même toi tu finis par protester, c'est sûr. Et pourquoi il a pas bougé? Ah oui, parce qu'il est contre un mur. Pourquoi tu l'as pas tué? Parce que j'avais pas dépensé deux points. Pourquoi tu veux pas te coller à ton capitaine préféré? Parce que j'ai pas la place. Tu veux pas faire un deuxième tir, connard? Vas-y, joue, connard.
Meurs. Voilà. C'était incroyable, hein. Merci Zinlen. Hein. Aïe. C'était impressionnant. Hein. Je propose qu'on ne prenne pas les carcasses. Hop, c'est pris. Putain, je te déteste. De rien, ça me fait plaisir. Oh là là. On a trouvé une belle petite masse améliorable. Ouais. Je te laisse la lire. Donne au courir d'Etchebest. Inflige 50 à 60% des dégâts de force sur les steaks de viande. Dégâts à la cible. Si cette unité a plus d'étoiles en cuisine que la cible, les dégâts sont doublés et un coup critique est assuré contre les mauvais chefs cuisiniers. Ça m'a l'air pas mal. On a même trouvé de la connaissance comme ça. Ouais, on a gagné 2 points de connaissance, t'as vu ça? C'est incroyable. Genre comme ça, Zinedine. Ouais. Oh. Ouais. Je peux mettre ça peut-être sur la petite là. Est-ce qu'elle peut porter une masse, la petite? La petite, je pense pas qu'elle l'excède beaucoup de la force des autres. Hein? Pourquoi? On a rien récupéré? Si, mais c'est moi qui l'ai. Ah, ok. Je suis en train de flipper, Attends, je l'ai laissé partir. Honnêtement, le truc. Honnêtement, t'aurais eu peur. Hein. Honnêtement, je pense que ce n'est pas worth de le mettre sur la petite, mais après, ça c'est mon avis. Oui, tu voudrais que je mette ça sur le gros? Ah bah oui, hein, et tu le remets au. Il est à 66 de force. Ah bah, il va passer, oui. Il va perdre un peu de force, hein, je pense, le gros, mais... Mais on perd la punition de Dagan. Hein. Ouais. Tu veux bien faire péter la masse? Ah voilà, merci. Elle est dans le coffre. Ouais, c'est bon. Arrête de faire le malin. Je passe à 34 avec elle. 34 avec elle. Si je la mets sur le gros. Qui a déjà la spécialité des armes à une main, on rappelle. Ouais. De toute façon, qui a tout avec les armes à deux mains. Maintenant, il a tout. Il a le bourreau, il a tout. Ça y est. Il a tout, lui, de toute façon. Contre lui, il tombe. Non, il tombe à 48, hein. Beaucoup plus glorieux, hein, mais c'est juste qu'elle, il faut qu'elle monte de niveau, hein, c'est tout. Hein. Ouais, en vrai, mais oui. Je vais lui laisser sur elle quand même, parce que il est potentiellement plus proche de débloquer des traits d'armes à une main, parce que pour l'instant, il en a débloqué aucune. C'est vrai. Et si on lui met... Est-ce qu'il y a moyen de faire des renforts du cercle? On lui en colle deux dans la gueule et puis basta. Hein. Ouais, on a moyen de lui faire des renforts, c'est ça, mais ça sert à rien, parce qu'elle va changer pour une armure de meilleure qualité. Oui, non mais... Dès qu'elle passe de niveau. Mais elle a son armure, hein. Son armure est là, elle est prête. Ah ouais? Ok. Je transporte une armure en rame. Les points. Créateur d'exploits, ça pourrait commencer à être intéressant avec tout ce qu'on génère, non? Un maximum augmenté, ouais, ça peut être sympa. Ouais, ça, flotte prime, hein. Moi j'irai chercher des trucs un peu basiques, mais efficaces, quoi. Tu veux pas prendre orientation, comme ça on sait où on va tout le temps? Rien à foutre, moi. Ouais, vas-y. Je te laisse prendre tout ça. Voilà, c'est fait. Emballer, c'est pesé. Et d'ailleurs, je crois qu'il va falloir vérifier. Là, on a un point à débloquer en mysticisme. Et qu'on est en train de faire des épisodes beaucoup trop longs, là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être un peu long, l'épisode, là. Allez, on va pousser à une heure et demie. Faut avouer que je ne suis pas peu fier de moi. D'aucuns pourraient considérer que je suis indispensable à cette troupe. Connard. Sombre con. Suggéré par monsieur le lieutenant Will. Racontez une fois encore le combat au groupe. Je propose de le célébrer. Hein. On peut, effectivement. Il pote avec pas mal de monde. Hein. Stevian, Os de Bard et Black Panther. Ah, il y en a pas qu'un qui est pote avec les animaux. Yes. Que donne cette amitié chez Zinedine 12, hein, il est pote avec... Ah oui, il est comme... C'est pote d'Os de Bard, lui, je le reconnais, là. C'est le sauvage du groupe aussi, c'était le chasseur de base. Voilà, on est vraiment sur la vieille équipe, hein. Ouais. Et sur les vieux les deux cas sociaux de l'équipe, c'est incroyable. Bon, faut que je prenne des trucs à la main. Ah bah attends, campement, j'ai oublié de nous disperser les carcasses. On est trop lourd de combien? Beaucoup. Si je jette les carcasses, c'est bon. Vas-y, jette-les. Non. Pas comme ça, Zinedine. J'en peux plus, tes carcasses! Ouais, mais pas comme ça, Zinedine, parce que y a un mec, il a plus rien à faire dans son truc. Je vais lui remettre deux carcasses et je vais jeter ça. Et normalement, on est bon. Ah non, on n'est pas bon. Faut vraiment jeter toutes les carcasses. Et dans ces cas, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer 1, 2,
3 carcasses et ton gajo. Et donc, au lieu d'en jeter 2 de plus, je vais en jeter 3 de plus. C'est pas beau, ça? Allez, regarde, t'as vu toute cette vitesse que je vous offre? C'est tout ce qu'il fallait. Cette gestion logistique incroyable. On est incroyable, hein. Comment on galope. Certains diraient comme des salades. Ah, bref. Galant dedans. Bonjour, ma bonne dame. Putain, ma souris qui pète un peu. Ouais, c'est bon, on sait, madame, on sait. Mais on est au courant, on est au courant. Ah oui, on n'a pas 20 degrés sur nous. T'as 20 degrés sur toi? Non, ouais, j'ai 20 degrés sur moi. Partir, du coup, faut recommencer. Ça veut pas valider, tu commences pas avec le gré sur toi. Ouais, tiens! Donne la tenaille du forgeron, ma fille. Oh! On a pris 274... Ah non, prochain repos, on doit payer 274$. La tenaille a une chance de récupérer une partie des ressources utilisées en forge! Je crois que c'est intéressant, ça. Bah, tiens! Oh putain, est-ce que... Wow, c'est compliqué, ma souris. Il a quoi, par contre? Parce que je me rappelle qu'il y a déjà un truc de ceinture, le capitaine. Je crois qu'il a juste un truc qui augmente de 1 la répute quand il fait un. Oui, un l'influence par quand il gagne un point de métier. Et ben le poisson il va partir sur. Je crois que c'est Mavic ou Carien, ouais, Mavic qui va le prendre. Mavic, ouais. Pareil, elle est en pleine progression de métier. Et ouais. Puis voilà, très bien. Très bien. Très bien. D'ailleurs, t'en es où toi, ma fifi? Là, ça grimpe un peu cette histoire Oui, ça grimpe. 3200 sur 3500, ça grimpe. Il y a écrit en attente de China, il y a en bas YouTube. Ouais, j'étais en train de mettre un truc dans l'étude. Ils l'ont pas réparé ce machin? Non, c'est au prochain repos, j'imagine. Ah. Ou dans la semaine prochaine, peut-être, okay. Ce qui serait logique. Ok. Et ben, c'est le moment de dire au revoir à ton tube. Au revoir ton tube. Bisous.